Bonjour à tous, c'est le Gratteur Fou. Ben là, je poursuis donc les jeux de machine à sous avec option d'achat immédiat de bonus free spin. Donc là, c'est le Golden Genie, jeu que j'avais testé quelques fois précédemment. Alors, la balance, il y a eu quand même des hauts et des bas sur les précédents jeux. Donc là, il reste 2515. Alors, voyons voir combien ça coûte. On n'a qu'une seule option d'achat de bonus ici. Alors, mise à 10, ça coûte 800. Alors, on va essayer. Tenter de pas cramer la balance d'entrée, mais bon, tout va dépendre de ce que je vais filer. Allez, un petit quatrième. Allez, c'est parti, premier round. Là, tant qu'il y a un génie joker avec les multiplicateurs sur le jeu, les spins continuent. Dès qu'ils sont barrés, car ils se déplacent sur la gauche, c'est la fin des parties gratuites, des free spins. Il y en a un autre qui apparaît ici. Ah, ok, parfait. Ok, cool, on en a eu un. Sinon, celui-là il serait barré. Ça aurait été la fin des free spins. Alors, on est au x7, 412 de win. Un petit supplémentaire peut-être ici. Là, ça a l'air mal barré. D'accord, 425 balles de récupérer. Premier round d'achat de free spin, c'est le casino le gagnant. On va voir pour le deuxième. Alors, quatrième ou pas quatrième scatter. Eh non, dommage, que 3. Alors, score à battre, 800 balles niveau win. Alors là, il faudrait qu'un autre génie qui apparaisse, sinon. D'accord, mal barré, dernière chance. Alors là, s'il n'y a pas de génie, 93 de win, grosse cacahuète. Et ben voilà, gros gros bénéfice pour le casino. 800 balles de dépensées, 93,50 de récupérer. Alors 14, 1120, alors on va essayer. Donc après les rounds perdants et les rounds gagnants. Ah, quatrième scatter, ok. Alors peut-être que ça va être un petit peu mûr, enfin je dis bien peut-être, c'est pas garanti. On va prendre le gros win. 241,50. Allez, x4, x3. Aussi. Allez, parti, un petit génie supplémentaire. Alors, on est déjà à 758. Alors x9, hop, x2. Et du coup, on est au x11. Allez, faudrait qu'il lâche un petit génie supplémentaire avant que celui-là il se barre. Alors, ça va nous en raquer un. Dernière chance. Dernière chance, pas de chance. 1015 de récupérer. Alors 1329 de restant. Et ouais, 1120, on va refaire le même. Quatrième ou pas quatrième? Ok, quatrième. Alors, balance restante 209 plus ce qu'il va gagner ici.
Tant que celui-là de round de free spin il rapporte quand même plus que les précédents, ce qui bien sûr n'est pas garanti. On n'a pas eu du gros bénéfice par rapport au prix d'achat. Alors parfait, hop, hein, ici. Ah, 172, on a 1519. Parfait, parfait, rouleau 4, un autre génie. Ça retarde la fin des free spins. Alors x13 et x2. Un petit génie, hop, rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5, non. Alors quand même, 2153 de gagner ici. On va nous en lâcher un, ça m'étonnerait. Eh ben dans le ratec, il n'en a pas lâché. Alors quand même, bénéf par rapport au prix d'achat, 2213,40 de récupérer. Alors on a 2422. On va tenter le tout pour le tout. Mise 24, 1920. Allez, c'est parti. Ça passe ou ça casse. Petit dernier sur le rouleau 5. Dommage. Alors celui-là il a quand même coûté cher. J'espère que ça va raquer, ce qui bien sûr n'est pas garanti. Je le sens mal, s'il n'y a pas de génie supplémentaire, dès qu'il va se barrer sur la gauche, c'est la fin des free spins. Il faut qu'il nous en racle un. Ah ben là, ça sent le roussi. Rax en un, dernière chance. Eh ben, dans cacahuète de gagner pour le prix d'achat, d'accord. Voilà, c'était gros bénéfice pour le casino. Alors, 957 de restant. Part sur un achat à 800. Ouais, de toute façon, les achats de bonus free spin, il n'y a pas de secret. Généralement, ils sont perdants. De temps en temps, on a du gagnant. Très rarement, on a un gros gagnant. Donc, encore faut-il avoir la chance de tomber sur le gros gagnant. Là, c'est opération défonçage de balance, 157 € de restant plus ce qu'on va gagner ici. Alors si celui-là il se barre, si on n'en a pas d'autres, on est mal. D'accord, là je crois qu'on est mal. Pas dernière chance. D'accord, 79 balles de gagner. Et là c'est vraiment du stade très bénéf pour le casino. Alors 236 de restant, on va peut-être essayer autre chose. Allez, quelques spin chance, ne sait-on jamais. Ah ouais, dommage pour celui-là, s'il était sur le rouleau 1, enfin ici je veux dire en bas. Alors 80 balles de restant, on va faire 2 spins à 40, au bout d'un la chance, mais bon à mon avis ce sera pas de chance. Alors ok wild, qu'est-ce qui va nous sortir? Bon bah ben là c'était le truc de la dernière chance parce qu'il restait 68 centimes, j'espère que ça va raquer. 744, d'accord. Alors tant qu'on y est, on va tenter les spins maxi. Bon, tout compte fait, je vais quand même viser des mises à 40.
faut avoir la très rare chance de décrocher les free spins avec des spins à 40 balles, ça serait du win très probablement assuré, mais bon. Vu que ça sort très rarement, c'est pas garanti. Spin miracle. Pas de bol. Voilà le grand gagnant et le casino. Allez, dernier spin à 40. Et ben voilà, c'était la version. J'ai pas de chance, le casino est chanceux. Alors ça m'a mis sur une mise à 60 centimes. Alors on va essayer ça. Alors hop, 2,80. Alors, sauvé par le troisième scatter peut-être, ou est-ce que c'est un leurre? Ah bah c'était un leurre, 7,14€ de gagné. Alors 7,42€ de restant. Ah bah là, ce serait miraculeux de faire une remontée, ben non, pas de miracle. Allez, dernier 20 centimes. Ok, ok, du coup casino gagnant, ben, malheureusement, car le premier jeu, le 100 Quentin X-Ways, s'avait ramené pas trop mal. J'avais dépassé les 8000 balles si je me rappelle bien. Bon, après le Dagragon Tribes, le Deadwood X-Nudge. Et celui-là, le Golden Genie qui a tout fini. Donc 2 centimes de restant, donc ça sera éventuellement déjà là pour le prochain dépôt sur ce casino. Bon, malheureusement, on peut pas être tout le temps chanceux avec ce genre de jeu. Des fois ça paye, mais quand même. La plupart du temps ça paye pas, enfin je veux dire sur une grande masse de joueurs, la plupart se font torcher, très peu en sortent gagnant. Ok, donc ce sera que partie remise, donc comme quoi c'est pas évident de gagner avec ce genre de jeu. Allez, 2 centimes de restant, on va se barrer de ce casino, éventuellement tester un autre. Celui-là je ferai sûrement un retour un petit peu plus tard dessus, mais bon, espérons que ce soit un petit peu plus chanceux qu'ici, car là franchement niveau chance... C'était pas top, mais bon, ça arrive souvent avec les machines à sous, c'est la règle. Bon, ouais, sur ce, les amis, fin de vidéo, fin de partie, donc rendez-vous très prochainement pour tester de prochains jeux, on verra donc ce que ça donnera. J'espère que Madame Chance sera au rendez-vous. Allez, la bise à tous, à très bientôt. Grosse torchade, vite fait, bien fait ici, hein, quand même.